Bon matin, bon lundi matin, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 7h24. Puis moi, ben, je retourne vers le François d'Assise. Parce que je voulais porter mon bidon d'urine. Puis ça ouvre juste à 8h. Rendre tranquillement là après ça parce que je veux pas comme arriver tout de suite et payer full cher de parking. C'est comme des parkings, des parcomètres là qu'il faut payer, fait que ça coûte quand même assez cher. Puis je sais même pas comment de temps je vais être là. Fait que je vais aller dans ce coin-là pareil, mais essayer de me stationner dans un parking où j'ai le droit, puis ça dérange personne. Mais avant, je vais aller me chercher un mini café, un petit café. J'avais filmé vendredi, mais j'avais pas grand chose à dire. De toute façon, samedi, je vous explique dans le blog qui est à l'autre blog. Je vous explique la situation actuelle. Sur les réseaux sociaux, sur mon live que j'ai fait hier aussi, je vous explique un peu la situation. Aujourd'hui, je vais pas à l'autre bout de la ville chercher un café. Je vais aller au petit portail en bas. Alors, grand-mère au service à l'auto. Fait que moi, je vous laisse, je vous reparle un peu plus tard. Rebonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je sors de l'hôpital et devinez-vous quoi, mes résultats finalement sont positifs. Ben, négatifs, là, dans le fond, tout va bien. Bébé va bien, bébé grandit bien. Je l'ai vu aujourd'hui sur l'écho. Et ma fille pèse déjà 4,15 kg. 4,15 livres dans le 52e percentile, fait que dans la moyenne. C'est tellement rassurant. Fait que là, je suis hyper contente. Mon test d'urine, ils ont un peu découvert de protéines, mais pas beaucoup. Sur l'ensemble, j'ai un autre suivi la semaine prochaine. Simplement, je vais payer mon parking. Mes tests sanguins étaient beaux. Mes 4 tests de tension ont commencé à 139 et j'avais bougé un peu. 139 puis ça a fini à 120. Puis c'est vraiment le fun de voir ma cocotte sur l'écran là. Mais c'est tellement rassurant ce rendez-vous là que je peux comme recommencer à vivre parce que je vous dirais que quand j'ai su à mon suivi, j'ai dû penser que ma tension était haute et tout. Ça m'a vraiment fait un choc. On dirait que ma vie avait basculé. Puis que je pensais juste à ça, fait que ça aidait pas. Fait que là, ma maman est à Québec, elle est à Place Laurier. Je m'en vais la rejoindre. Fait que je m'en vais prendre l'autoroute pour la rejoindre. Je vais quand même continuer à faire attention à mon alimentation, à recommencer à bien manger. Puis la médecin me dit que je peux continuer d'aller prendre des marches. C'est pas évité, là. Fait que je peux continuer à aller marcher, faut que je bouge, justement. Parce que c'est bon pour la pression de bouger. Je suis tellement de bonne humeur, là. J'ai envie de sauter partout, de crier dans la voiture que ça va bien, que ça va bien. Je vais vous montrer les vraies choses. Parce que pour le moment, j'aurais pas besoin de me faire déclencher d'avance. Et moi, je m'en vais rejoindre ma mère à Place Laurier. Puis, on va se mettre magasiner des petits trucs de bébé et tout. Je vais juste les sourire dans un blog. On peut tout montrer. C'est comme un stress. Un stress qui
que vous allez bien. Il est présentement 2h49. Je sors de Place Laurier. Puis, j'allais rejoindre ma maman. J'ai broyé avec ma maman. Au dîner, on est allé se chercher du saboué. Ben, moi, je suis allée chercher un saboué. Un 12 pouces, puis j'ai ramené un 6 pouces que je vais pouvoir manger demain. Après ça, là, je m'en vais chercher mon conjoint. Puis ma mère, elle, va monter à la maison pour aller voir Benji, puis à la maison. Fait qu'on va commencer la valise de maternité aujourd'hui. Ben, peut-être tantôt ou demain. Amélia, elle veut pas arrêter de bouger. Puis c'est vraiment le fun d'avoir ma maman avec moi aujourd'hui. Puis c'est sa fête en plus. On va fêter sa fête à Québec avec sa fille. Sa petite fille. J'ai rien acheté au garage à Place Laurier. On est allé voir un petit peu les trucs de bébé et les trucs de décoration de Noël. Au Walmart, il n'y avait pas grand chose d'intéressant, mais c'est vrai que j'en ai déjà pas mal chez nous. Je vais peut-être aussi continuer à écrire d'autres cartes de Noël aujourd'hui, peut-être. Mais je verrai. Fait que moi, je vais vous laisser. Ma fille, elle pop. Ma fille, elle bouge. C'est vraiment le fun de la voir sur les cours. Vraiment. Fait que moi, je vais vous laisser. Je vais essayer de vous filmer peut-être plus tard, sinon je vais combiner des journées ensemble. Très bonjour! Je suis présentement de retour à la maison et j'ai reçu mes deux colis Amazon. Fait qu'on va ouvrir ça ensemble avant que mon mari est à la librairie. Fait que dans la première boîte, du bon Nutella pour faire des toasts demain matin. Ça va être très bon. C'était 8,97 pour un méga pot. 1 kg Ferrero. Des sacs de poubelle. Puis dans la deuxième boîte, on a pas mis à tout. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien. J'y commence le vlog un peu plus tard parce que j'ai ma maman qui est à la maison. Je peux pas vraiment filmer en sa présence. C'est pas grave. Là, on est en train de faire le sapin de Noël. Fait que là, je suis venue faire une brassée de lavage. Ben, j'ai plus de bobettes pour demain. Là, aujourd'hui, on est tranquille à la maison en pyjama. Je vous ai filmé hier. J'ai pas conclu le vlog. Aujourd'hui, comme je vous dis, on reste tranquille à la maison. Un matin, j'ai déjeuné des toasts au Nutella. Ça fait du bien. Du bien au moral. Bon, je continue de prendre ce cours. Là, je m'assieds, je me relaxe. Quand même. Je sais pas quand est-ce que je vais mettre ces vidéos-là en ligne, mais... Au moins, vous en avez eu un hier. Donc, je vous ai mis des petites photos sur Instagram. Aujourd'hui, la maman se porte bien, bébé va bien, bébé bouge. Au rythme de la musique de Noël. Hier, on a même commencé à faire. On a pas mal avancé la valise de bébé pour l'hôpital. Parce qu'on sait jamais, je peux aussi bien accoucher d'avance. On ne sait pas. Vaut mieux prévenir que guérir. Comme on dit. Là, j'ai certaines brassées de vêtements. Même mon chien est tranquille en ce moment. Il est vraiment drôle. Aujourd'hui, je devrais recevoir ma commande d'Amazon. Mes protèges de sous, j'ai hâte. Parce que là, je porte des serviettes sanitaires. Je trouve ça un petit peu trop épais. Je retourne à mon sapin de Noël. On se repart un petit peu plus tard. Très bonjour. Il est présentement 1h. De l'après-midi. Puis je voulais vous montrer, on a fait les décos de la maison. Fait qu'on a mis, je vous montrerai un peu plus en détail plus tard, là. On a mis une petite boucle. On a monté les coussins en haut. Voici le sapin de Noël, là. Je vous le remontrerai de soir. Allumé. Comme là, il est déjà allumé, mais allumé à la noirceur. Ça va être vraiment plus beau.
Fait que... On l'a fait dans les teintes de rouge et rouge à carreaux. Puis, on a fait ça. On a mis un petit pingouin sur le bord de la porte, la fenêtre. Mon pingouin en gélatine. Après ça, ma mère a... Ça, c'est ma couronne qui va dehors, là. On va la mettre sur la porte dehors. Sinon, il y a ça ici. J'aime bien les décos qu'on a faites, là. Ici, ben, il y avait ça que vous avez déjà vu. Hier, j'ai ajouté, ma mère a ajouté les petits flocons. Le petit pingouin en haut. Les petits pingouins ici. Puis, ça, on va sûrement amener ça dehors. Fait que je vous reparle plus tard. Cet après-midi, je suis allée voir mon courrier et deviner ce que j'avais dans la boîte courriel. J'ai reçu ma nouvelle revue. Il y a tellement l'air d'avoir des bonnes idées de recettes, là. Puis une recette que je vais me faire prochainement, c'est... celle-là que je vais me faire cette semaine. Une salade de quinoa d'hiver. C'est elle que je vais faire au cours de la semaine. Mais j'ai acheté ce qu'il faut comme ingrédients. J'ai pas tous les ingrédients, mais j'ai des canneberges, mais plus fraîches. Fait que, on vient d'aller goûter. District 31, il est 8h12.